J'ai pas les tous, hein, pour une raison pour laquelle j'aime bien Herman. Ou Bulle, ou plein d'autres personnes. Pourtant, j'aime beaucoup l'argent, mais pas. Il y a des limites. Hein. Allez, ouvre-toi. Non, tu veux pas t'ouvrir. Nope. Mais t'es un connard sympa, non? Bah, ça dépend de quel côté de la barrière tu places, tu vois. C'est-à-dire que. Si t'es chez Webedia, si t'es un streamer Webedia, déjà y'a peu de chances que tu m'aimes. Surtout vu les vidéos que j'ai faites dessus sur YouTube. Ça dépend en fait où tu te situes. Et je t'y encouragerais aux poubelles. Tu vois, bah, mais soyons très clairs, et toi je le pense, par exemple, tu vois, Nat, vous savez tous que bah forcément, en plus d'être mon ex, c'est quand même meilleur, enfin c'est mes plus proches amis quand maintenant, Nat. Et demain on lui propose. Ah, c'est ouvert. Demain on lui propose une OPFF14, mais je lui dis de foncer. C'est juste en fait que je suis biaisé, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas objectif dans mon analyse, hein, poubelle, j'en ai parfaitement conscience. C'est-à-dire que, au vu de ce que ça m'a fait vivre, moi, en 2019, le stream, avec les hauts et les bas, aussi bien le pognon, les gens et tout, mais aussi bien les problématiques issues de ça, maintenant, je veux juste plus rien en avoir à faire, en fait, avec ces gens-là. Et encore moins quand c'est des OPSP non productives. C'est con, mais bon, Red Shadow Legends, admettons, sur un malentendu, toi, t'as les gens qui vont réellement y jouer. Je me fais tirer dessus, mais je sais pas par quoi. Ah! Ah, putain, les ninjas! Ok, les ninjas. Ah non, mais encore une fois, ils ont parfaitement raison, hein. Alors, en tant que youtubeur, toi, c'est encore autre chose pour le coup. En tant que youtubeur, pour le coup, admettons que ma chaîne YouTube continue bien de monter et qu'on soit à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés dans les années à venir, j'en sais rien, j'ai un malentendu. J'aurais moins de problèmes avec ça pour le coup. Bizarrement, sur YouTube, j'ai moins de problèmes avec ça parce qu'il y a un côté moins direct. Viens là! Autant, mais tu vois, clairement, non, mais je suis d'accord avec ça. Surtout que, tu vois, par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube que j'aime bien, c'est Villebrequin, que je regarde pas mal en ce moment, parce que j'aime bien les caisses. Pour l'inspiration de voiture pour les curieux. Et, recharge, recharge, recharge. Oh! Oh! Putain. Le multiple AMG, ouais, voilà. Voilà, Villebrequin, j'aime bien. Ils font full OPSP, ils sont très clairs. Les mecs chient les OPSP. Mais ils ont parfaitement raison. Elle est où? Oh putain. Alors, en fait, tu ne choisis pas. Je vais peut-être pas être clair avec Zephon. Tu proposes des jeux sur Discord. Ensuite, 5 de ces jeux, selon les catégories que j'ai énoncées, seront tirés. Seront annoncés, tu vois. Mais elle est où? Je les vois pas. Le truc c'est que je les vois pas en fait là. Mais je les vois pas. Ah, vous m'en rendez ouf les filles. Faut que je les prenne dans un couloir là. Alors toi ma belle. Ok. Eh oui, quand tu peux plus sauter dans tous les sens, tu fais moins la. Putain, merde! Elle est où? Ah! Putain. Donc, Raxéphon, en fait, les jeux sur Discord, tu les proposes quand t'en as envie. C'est juste que si tu proposes un jeu, sachant que les votes sont à 20h le mercredi, si tu proposes un jeu à 19h59 le mercredi, évidemment ton jeu ne va pas être pris en compte. Le bon sens, comme toujours. Voilà, c'est tout. J'ai vu, bah... Oh oui. Excusez-moi, j'ai un peu joué. Sorry. Moi, je pense être un gros connard, mais après, écoute, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Hein. Chacun ses goûts, je ne jugerai pas. Oh oui. Bah alors les filles, fais-moi les moyens là. Ah. Salut. Allez. T'es bon? Ah, c'est pas pour LOL, hein. Je suis vraiment un connard. Il y en a combien sans déconner? Par contre, à un moment ou à un autre, il y en a combien?
C'est très gentil à toi, Speed. Des bisous à Yumi et toi. Merci encore, Speed, pour le Waze ambulant que tu m'as fait sur le jeu. Reposez-vous bien. Et bah écoute, j'espère ne pas être à votre réveil. Hein, sans méchanceté. Ça veut dire que c'est bon, c'est bon. Galérer. C'est l'image baisier de toi-même, Ice Care. À voir. J'ai 30 ans d'expérience en. Non, j'ai 32 ans d'expérience en même, hein, démonia. Clairement. Bon. Alors. Hop là. Non, c'est pas par là. Demandez à Pookie au pire. Il a 15 ans d'expérience dans le Ice Care. C'est peut-être un avis plus objectif, je ne sais pas. Ok. On va ouvrir le chemin. Non, ça passe pas. That's what she said. Ok, non. Je veux pas, je tire. Mais je tire. Oh, c'est vert. Quand c'est vert, c'est bien, non? Ah, un mon chat. Ok. Juste moi-même, en fait. Hein. Tout. Un an, le docteur, déjà. Putain, ça passe vite. Hein. C'était quel jeu, déjà? Et si on faisait une petite sauvegarde, d'ailleurs? Et si on faisait une petite sauvegarde? Vous en pensez quoi? Ça me paraît pas mal, une petite sauvegarde, là. Hop là, save, nickel. Boum boum boum. On est reparti. Oh là. Ouh, ça va chier là-dedans. Ah, c'était Dauntless déjà? Oh bah. Elle a sorti console. Ah oui, ok. J'avais pas beaucoup joué pour le coup, hélas. Je crois que c'est à cause de WoW Classic encore, hein. J'avais eu la bêta. Oh putain. Oh putain de merde. Vous entendez ce son là? C'est quand il y a full bestioles qui vont popper. Et moi, je me suis bloqué. Salut. Salut. Salut! 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 Aïe, aïe! Non, non, non! Ah, bobo! Ah, bobo! Non, non! Pas taper! Recharge, recharge! Et on y retourne! Salut! T'es pas mort, toi? Ah, t'es mort! C'est Doom, en fait, le jeu! En fait, c'est Doom, le truc, non? Franchement, y'a un petit côté Doom, je trouve, hein! Je suis pas un. Ah, bah, s'en bat, écoute! Je suis un hélicoptère de combat! Oh, t'as pris cher, toi! Ah, il y a un autre Jean-Jacques. Salut. Oh, le McDo, il m'a pas kiffé, lui. Vous êtes prêts? Hop. Voilà, crève. Ils aiment pas les grunts, le McDo. Next. Bande de cons. Ok. Non, pas par là. Ah, une échelle. Ça sent bon, ça. Généralement, une échelle, c'est le bon plan. Hop, 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 hop. Ah, oh. Il a failli prendre cher. Très bien. Lui, il a failli prendre très très cher. La dernière fois que c'est arrivé, il y a un PNJ qui s'est fait éclatax. Hein. Mes viewers sont témoins. Ah, lui, il a failli prendre très très lourd, lui. He drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Le remake, j'y ai joué, je l'ai pas fini et je n'ai pas joué au premier. J'ai commencé en fait à jouer sur PC en 2001 avec Ragnarok Online. J'étais pas un gamer avant. Donc j'avais 14 ans. Je jouais un petit peu, toi, j'ai eu les consoles mais j'ai pas un gros gros joueur avant mes 14 ans. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Non, il a l'air intéressant. On tue pas les gens gentils. De toute façon, on peut pas. Regarde, quand le gun est baissé, c'est comme une bite. Voilà, ça marche plus. Donc, il y a beaucoup de jeux. J'ai rien contre le rétro. Je dis la seule chose, c'est qu'il faut que je trouve un maillard. Mais c'est le jeu. Au pire, quand c'est à moins de 20 balles ou autre, je me démerde. Et que soit c'est émulateur, soit je... Ah, toi, un jeu comme Duke Nukem, c'est la poire sauce. Ah. C'est quoi ce truc là? Bah fonce hein. Fonce en son soutenir. Vérifie juste sur Along to Beat hein. Alors par contre, je ne sais pas pour Fable, mais et là dessus je vais insister par contre. Le but du jeu de l'OS Game, c'est pas par contre de faire un jeu qui a une durée de vie de... Ok, je vous donne un exemple tout bête. Dark Souls, vous pouvez le faire en moins de 24 heures. Pas de doute là dessus. Est-ce que par contre Dark Souls est intéressant en moins de 24 heures? Non, c'est un jeu, si tu le découvres, c'est nul à chier de faire ça en moins de 24 heures.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de skipper la moitié du content d'un jeu pour ça. Tu vois, on prend Fable, j'en sais rien, je connais pas. Bon, 12 heures, ok, il y a peut-être moyen, effectivement, ouais. En prenant son temps, 18 heures, ok, donc Fable. Je pensais que ce serait plus long que ça, en vrai, Fable. Je crois, il me semblait que c'était un gros RPG, hein. Je me suis planté. Il me semblait que c'était vachement plus long, Fable. No shit. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Parce que même, regardez, même avec les quêtes secondaires et tout, on est à 29 heures. Non, non, effectivement, ça a l'air relativement court. Hein. Ok, ok. Promettez-moi d'en faire bon usage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme-là? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Watch out! That creature's alive. Ça fait quoi en fait ça? C'est quoi le clic droit par contre? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, on ne saura pas. Oh, des munitions. Ça fait très mal. Ouais, non, mais le. Tu sais, quand tu fais ça. Quand tu fais clic, l'autre clic, je comprends pas. Le truc sur le tir secondaire, logiquement. Oh, des munitions. Voilà, ça fait rien de spécial. Il fait mumuse avec le manche, il joue avec son joystick. Ouais, j'en doute pas. Hein. On va le garder pour les boss, ce truc. Ou pour les passages un peu chauds. Salut! C'est parti. Oui, j'ai un humour de merde. Hein. Je ne comprends pas les blagues et c'est les plus rares que je vais faire. Les rares que je vais faire sont vraiment nuls. Hein. Alors. Salut. Oula. Putain, l'ascenseur est lourd, il pète la fenêtre quoi. Ok. Lambda main reactor. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Y'a pas un vous êtes ici, ça serait vachement mieux. Pour la musique. Elle me faut la pression la musique. Ah. Ah. Putain. Oh, c'est moi, elle s'est suicidée sur ma gueule celle-là. Ok. Et merci beaucoup à Natamaniac. Désolé. Sorry. Désolé. You are a sight for sore eyes. Quand je vous disais qu'il avait eu chaud le scientifique, c'était pas des blagues, hein. Quand je dis, il a vraiment eu très très chaud. Ah non, mais y a pas de soucis, hein, Raxifon. Y en a eu 5 des fables. What the fuck. Un énorme merci à Natamaniac pour le raid. Bienvenue à vous. Vous débarquez pendant le deuxième OS Game qui est donc sur Black Mesa, aka Half-Life. Vous savez ce petit jeu indépendant qui a absolument révolutionné le FPS ou pas dans les années, la fin des années. Tu comprends pas les blagues, SK? Non, poubelle. Je ne peux pas les comprendre en fait. Pour faire simple, sans rentrer trop dans les détails, imagine que niveau neuronal, bon, en tout cas mon cerveau n'est pas calibré, je ne peux pas comprendre le secondaire. C'est très compliqué. Enfin, en gros, c'est que quand je vois une personne faire une blague. Les mots qu'elles vont utiliser ne vont pas me faire comprendre que c'est une blague. C'est vis-à-vis en fait de ces différents tics faciaux que ça va me faire comprendre en fait que la personne plaisante. Et c'est ça qui va me permettre de comprendre. Voilà. Non, Devil May Cry. Ah, j'avais pas vu Devil May Cry. Bah oui, vas-y, mais je fonce. J'ai déjà fait Devil May Cry hein, pour le coup. Et j'ai déjà fait tous les Devil May Cry. Ok. Voilà. Mais tu peux les proposer. Hein, c'est un très bon jeu. Je les ai dans tout seul ou pas? Oui, si, j'ai tout ça, Devil May Cry. 1, 2, 3, ça s'est fait sûr. Le 4, ça a été le premier jeu que j'ai fait quand je suis arrivé en Angleterre. Et le 5, je l'ai fait en live quand il est sorti en quasi one shot. Tout ça pour. Merci encore donc à Natamaniac pour le raid. Bienvenue à vous. On est donc sur Half-Life. Et on est sur les OS Games, point OS, si vous ne connaissez pas le principe. Nat, tu as déjà réponse à cette question. Pourquoi est-ce que tu la reposes encore? J'ai toujours faim. Merde, j'ai pas suivi, il a dit quoi Jean-Michel? Qu'est-ce qu'il a dit? On dirait un peu un Vincent Lambert du pauvre, non? Est-ce qu'il a pas un petit côté Vincent Lambert du pauvre? D'accord, ouvrir les drains d'urgence de chaque réservoir de refroidissement.
Il y a Pookie qui se part beaucoup, mais je pense pas que ça soit pas à cause de mon jeu de mots. Si, c'est ça. Très bien. En rétro, Flunshine, de Return to the Castle. Mais encore une fois, proposez-les sur le Discord, pas ici. En espérant que tu dises non un jour à SKR. Meuf, pourquoi tu sors un truc pareil? J'ai tellement de blagues par contre à faire là-dessus, de blagues totalement déplacées, sachant que le problème c'est que comme t'es mon ex, c'est très compliqué, tu vois, de dire genre le connerie. C'est non, non, mais... Me tends pas des perches pareilles, putain! On ne fait pas ça! Non! Non! Bonjour. Bordel! Infernal! En espérant que tu dises non un jour à Iskander, mais c'est trop... Voilà. Merci beaucoup, Busnoon, pour le 6e abonnement. Tu sais que si tu le demandes pas, c'est un peu comme un non. Alors, Pookie, encore dans les blagues cheloues, si tu lui demandes pas, c'est un peu comme un non. Le consentement, hein, tout ça. Faut demander à un nain, il connaissait pas trop le consentement. Let's do this before I lose my nerve. Je suis prêt, allons-y, donc je perds mon sang-froid. Salut la singerie, encore merci à Boston pour le 6e abonnement et la cravate bleue comme tes yeux qui s'offre à toi. Je sais pas du tout où je dois aller. Je dois vider, je dois drainer des trucs. On doit drainer des trucs, les gars. Des pâtes au poulet, évidemment, Nat. Hein. Toujours. What else, de toute façon? What else? Ah, du soin. La meuf, elle est traumatisée, la pâte au poulet, quoi. Bon, alors, c'est par où? C'est où? Il y a une emote pour ça. Il y a bien des subs de chez Nat, là. C'est où? C'est par là, peut-être. Ah! Ouais, ça a l'air d'être par là. C'est où? Voilà. Elle a quand même des subs, Nat. Elle en a presque 200, bordel. Full sub, la meuf. Regarde là-haut. Il y a des loupiottes rouges. Quand il y a du rouge, c'est que c'est par là. Je crois pas. Et bonsoir du coup pour l'instant, en OS Game, t'as fait God of War Half-Life. Yes, qui tente tout, absolument. Et bonsoir à toi, très bien. Et le prochain OS Game, les votes seront décidés donc mercredi à 20h, et c'est vous, avec vos points de chaîne, qui voterez pour le jeu. Je suis totalement perdu. Hein. Je suis absolument perdu. Bah, c'est surtout qu'il a pas grand chose d'autre à foutre en vrai, Nemonia. On a un peu sa télé, tu vois. Je comprends pas. Désolé, attendez. Non mais, je... Ah, putain. Bon, ouais. Non, un petit peu moins, peut-être. Hein. Vrai, il stream plus. Hein. Ah bah, en même temps, son stream, ça a été très éphémère. Hein. C'était très intéressant, pour le coup. Là, je blague pas du tout. Mais il a été très con. Mais bon, ça, c'est Pookie, ça. Sorry. On pourrait rentrer dans les détails de pourquoi il a réellement arrêté de streamer. Oui. Il se quoi? Il se met à la basse? Comment ça à la basse? Et c'est comme le tir à l'arc? Parce que si c'est ça, on a pas fini. Hein. Trop cher XSplit. Oui, bah, c'est sûrement ça. Pookie, ok, je te le paye. Voilà, il y a Démonia qui file 3 mains gratos, ça. Est-ce que vous vous rendez compte là à quel point je suis perdu? Je me balade. Hein. Oh putain! L'eau elle est bonne. Oh elle est chaude. Pour le coup, les rares fois où il l'a fait à bouffer, on a tous eu mal au ventre. Hein. Donc généralement, on espère qu'il fasse pas bouffer. Hein. Parce qu'on fait tous à bouffer ici. Alors moi, je vous avoue, hein, je prends pas beaucoup de risques. Hein. Poulet patate. C'est pas vrai qu'il fait bien à manger quand il surveille la... Ah. Quand il surveille la cuisine. Je ne sais pas pour quand, mais ça m'intéresse. Parce qu'en fait, quand on mange avec Pookie, le problème c'est qu'une fois sur deux, il s'endort pendant qu'il fait à manger, comme il a un peu l'arcoleptique hein, sur les bords. Et résultat, c'est un peu trop cuit quoi. On a mangé du riz grillé et. Ah oui, c'est le contraire ça, le riz était pas assez cuit et les trucs de porc étaient trop cuits. Hein. C'est le concept. Ouais, nous on a eu parfaite. Il est satisfait lui-même, ouais, écoute. Hein. Il est toujours puis après il va te dire, de toute façon, la phrase habituelle du Pookie, de toute façon, moi je me plains pas. Voilà.
Est-ce que vous vous rendez compte à quel point je suis perdu actuellement? C'est-à-dire que là, oula. Je suis perdu sur 20. Hein. C'était du riz al dente, il a raison d'essayer. Non, c'était du riz ferme. Trop ferme. C'est du riz croustillant. Ah oh, de l'eau. Cool. Cool, cool, cool. Je suis perdu. Et... How long to beat, Kitanto? Point d'exclamation OS. Et t'auras un lien direct hein, sur OS. Par contre, c'est 20h par 24h. Hein, c'est juste que la commande n'est pas à jour. Parce qu'en fait, en gros, grâce, appelez ça comme vous voulez. Bref, lié au stream, les jeux vont forcément prendre plus de temps qu'en temps normal, tu vois. Plus je me paume, ça aide pas. Le riz un peu grillé, c'est pas mauvais. Oui, quand c'est revenu à la poêle, quand c'est fait exprès. Le riz juste passé cuit, c'est pas terrible. On va arrêter de troller. Pookie, c'est tellement facile de troller Pookie. Ah oui, mais c'est toujours rigolo, je trouve. En plus, il grommelle. Vous savez, les Sims, quand ils parlent, c'est Pookie. Un coup sur deux, on voit ce qu'il dit, mais c'est toujours fun. Ah! Ah, attendez. Hop, hop. Je me balade, hein. En fait, j'ai un peu la mentalité Dark Souls. Dans Dark Souls, si t'avances et que tu vois des mobs, c'est que tu vas au bon endroit. Vous dites que de la merde, mais j'en ai rien à péter. Et globalement, c'est un peu ça ici aussi. Alors, oh là. Elle est où la bébête? Elle est où la bébête? Vous avez vu la bébête? Elle est où la bébête? Je vois. Oh là, ça... Et... Merde. T'as tout compris. Merci beaucoup. Ah, loupiote rouge. Ah. Ok. J'ai réactivé quelque chose. Je crois que c'est les drains de réacteur justement. Donc là, l'eau devrait se barrer. Très bien. Alors. Vous voyez, des bestioles pop. C'est ce que je vous disais, hein. Des bébêtes pop. Ah, plus de balles. Tristesse. On passe au shotgun. Pas de soucis. Raté. Raté. Touché. Ça c'est d'ailleurs vraiment des trucs cool du jeu, c'est que le shotgun a une putain de portée. Eh hey, salut. Ça va? Mais genre, mais what? Il se passe quoi là? Ah merde. Putain, j'étais en train de me faire becter. Très pas fait gaffe. Ah putain. Casse toi FIFA c'est un OS game du coup, un tir, un but. Lolo. Chantez bien ce monsieur. Ça remonte l'ascenseur? Ouais, ok. Le shotgun c'est pas... Ouais, mais vraiment, hein. Parce qu'il a de la portée, tu vois. C'est pas en mode débile, genre au bout de 2 mètres, ça touche pas rien. C'est plutôt cool. Casse-toi! Ah, putain! Ça, le prix de bestiole. Ok. Ah! Lambda. Pourquoi ça monte pas? Pourquoi ça monte pas? Du coup, si on propose un jeu que t'as pas, tu l'achètes. En dessous de 20€, oui, sinon ce sera toi le financer. Genre, tu me proposes, j'en sais rien moi. J'ai pas d'idée là maintenant tout de suite. Mais tu proposes un jeu qui est sorti il y a 2 mois, qui est encore à 50 balles sur PS4 ou autre? Non. Voilà. C'est à que là, en fait, en gros, genre, tu vois, pour vous donner une idée, rien que ce mois-ci. Parce que là, les viewers étaient incroyablement généreux. Je vais réinvestir 580€ dans le stream. 430€ pour faire un upgrade du JT. Et 150€ pour mes vidéos YouTube. En fait, c'est mon moteur vidéo qui les monte. Hein, donc, forcément, tout ça a un coût. Et en plus de ça, faut que je l'ai à peu près en ce moment un peu plus de 1500€ par mois avec la chaîne. Donc, j'ai pas à me plaindre. Mais ça, c'est limite. Hein. 1500€ par mois à Paris, c'est pas tant que ça. Alors. Comment on fait? Non, ok, mais il se casse. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Faut descendre? Il faut descendre. On va descendre.
Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Je ne sais pas. Et je cherche... Ah, il n'y a plus d'eau! Déjà, il n'y a plus d'eau. Salut. Salut, au revoir. C'est quoi, ça? Oh là! Ok. Ok. Ça sert à quoi? Et concrètement, No access, float man reactor. Ok. Ça doit avoir une utilité, mais je ne sais pas laquelle. On va attendre l'ascenseur. On va attendre l'ascenseur. Ah, il faut que j'aille me reprendre de l'eau, moi. Pop. J'ai vraiment hâte d'être lundi et de commencer à s'inscrire au lycée. En gros, donc Dauntless, un de mes main games en ce moment. Ça fait déjà quelques semaines, hein. Dauntless, c'est un Monster Hunter-like. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un très bon jeu. Je vous encourage à venir jeter un oeil parce que c'est un jeu qui propose quelque chose de rare, de très rare, une accessibilité assez hors norme. Et c'est une des choses d'ailleurs que je mets en avant sur le jeu. Je suis pas partenaire Dauntless ou autre, hein, je m'en bats les couilles. Enfin, vous l'achetez, enfin, c'est là, c'est gratuit pour le coup. Mais vous y jouez pas, ça c'est votre vie. Mais c'est plutôt dans le sens où c'est un jeu vraiment intéressant, quoi. Non. Pop. Ok, non, attendez. Tac. C'est un jeu qui a au moins les balls de proposer quelque chose d'assez innovant. Et là maintenant. Ok, c'est cool.